C'est moi, ouvre. C'est qui? C'est moi, ouvre. C'est Fanta. Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux voir si ton mari est là? Hey, c'est Margot, quoi? Toi aussi, pardon, faut pas faire ça, ça. C'est pour ça que tu es venu ce matin? Pour me dire des idioties, hein? Le matin, moi, je me lève avec mes angoisses pour aller chez toi. Ton mari me dit que tu es parti trop tôt ce matin, que sinon tu n'allais pas avoir de bons légumes. En tout cas. Hé, Margot, c'est ici ton marché. Et regarde, c'est pour me poser ces questions-là que tu es venu. Et Moïse? Moïse? Patron? Allez, va vérifier l'huile et l'eau de la bâchée, là. Allez. J'y vais tout de suite. Vas-y. Oui, patron. C'est comme ça qu'il fait quand tu vis. Et quand quoi? Mais qu'est-ce que tu as ce matin, toi? Figure-toi que garçon ne se gêne même plus. Ah bon? Il envoie sa maîtresse à la maison maintenant. Margot, je souffre. Ce n'est pas le genre de Gaston pour toi. Ah bon? Il faut un genre pour ça. Regarde-toi. Pardon. Je te coupe, hein. Je t'arrête là. On parle de ton mari. On parle de ton mari. Hier midi là, quand je suis arrivée à la maison, elle était là assise. Vautrée dans mon divan. Margot, moi je souffre trop. Tu t'imagines, est-ce que Gaston devait me faire ça? Et Gaston par-dessus? Comment Gaston par-dessus? Tu penses que tout le monde est comme toi, non? Oh, pardon. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec elle alors? Il était en train de filer des perles pour son bassin. Hé, Margot, on dirait que tu t'en fous de mes histoires. Je ne me fous pas de toi, ma chérie. Mais écoute, c'est quoi? Il faut te calmer. Ce soir, comme on a réunion de tontine, on aura le temps d'en parler. Hein? D'accord. Tu te calmes. D'accord. C'est pas mieux. Après, je vais te raconter ce que Mariam est venue me raconter. Encore? On aura beaucoup à dire tu ce soir. Tu ne vas pas me croire. Hé, Margot. Je t'avais dit, ça détend les nerfs. Ok, ce soir, on va en parler. D'accord. Merci. Je t'attends ce soir. Bonne journée. Et Moïse, là. Tu en as pour combien de temps? Viens vite, là. J'arrive. S'il vous plaît, vous avez une minute? Attendez, monsieur, s'il vous plaît. Oui, venez voir, s'il vous plaît. Il y a quoi, même, monsieur? Non, il y a je quoi? Vous en prie, venez, je vous en prie. Il y a quoi, monsieur? Allez. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous pouvez voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez, bonne journée. Garçon, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui me prend? À quoi tu joues? Garçon, moi, j'ai dépassé l'âge de jouer. Tu ne peux pas te permettre de venir dans mon salon et chasser mes clients. Ah non, je ne suis pas d'accord pour ça. Bon? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi joues-tu avec mon fils? Ton fils? Garçon, ce n'est pas de ma faute si ton fils est fan de moi. Ah bon? Et toi? Et moi quoi? Il faut reconnaître qu'il est mieux. Fais attention. Tu vas vite arrêter. Il faut laisser mon fils tranquille. Je ne veux plus te voir avec lui. Garçon, c'est très simple. Tu vois, si tu ne veux pas me voir avec quelqu'un là, tu sais ce que tu dois faire. Ce que je dois faire? Je dois faire quoi? Tu me maries. Et c'est simple. Mais tu es folle. Tu sais bien que ce n'est pas possible. Je veux bien, mais je ne peux pas. Dis donc, j'aurais appris que tu as une femme et deux enfants. Tu es trop fort, garçon. Félicitations. Moi, je te jure sur la tête d'un samo. Ce n'est pas vrai. Qui te raconte des idioties pareilles? Je préfère m'en aller que du côté des anéries. Ça, c'est des mensonges, là. Ouais. Dis-moi, Moussik. Tu dis qu'il s'appelle comment, le gars de chez Frem, là? Ali? Oh, ouais, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Dites-moi, les gars. Vous pensez que c'est une bonne idée de vouloir acheter la vieille bâchée, là? Ah! Bon, franchement, moi, je ne sais pas. De toute façon, Ali m'a dit qu'ils ont fini de tourner leur série, comment ils appellent? Ah oui, Allô Police. Allô Police? Oh, une série nulle comme celle-là. Oh, bon. C'est pas la peine. Elle est nulle.
Bon, bref. Ali m'a dit que la bâche était garée devant chez le perchman de la société. Qu'elle est en train de pourrir là-bas, quoi. Je suis sûr que si vous allez voir le chef, le patron de chez Fram, là, il vous dira de la prendre gratuitement. Ah bon? Oui, il dira que ça débarrasse, quoi. Non, mais écoutez, est-ce que c'est une bonne idée? De toute façon, on a vu dans la série qu'ils étaient tout le temps en train de la pousser pour la faire démarrer. Oui, mais Doula, ça, c'est pas un problème, là. On va la faire réviser, ensuite, on va la faire repeindre. Quand on aura les fonds, on va écrire sur les côtés, Bobolywood, production des films. Waouh! Bobolywood! Bobolywood! Ça sera intéressant. Vous, là, on a rendez-vous dans une heure avec le patron de chez Fram. Il va falloir faire rapidement. Okay. Moi, je propose que l'on passe d'abord voir la bâchée. Et ensuite, on va voir le patron. Comme vous voulez. Abdoulaye. Oui. Celle-là, elle joue bien. Faut la prendre. Hein. J'arrive. Bon, on va voir. Voilà, va. Non. On va voir. Bon, ok. Va. On dirait que vous mourrez de faim chez vous, là. C'est bon, tonton. Chez maman, le matin, on ne mange que de la bouillie. Rien d'autre que de la bouillie? Oui, maman a toujours dit qu'il n'y a pas de l'argent. Comment il n'y a pas d'argent? Oui, que papa ne veut jamais envoyer d'argent. Aïe, comment ça? Il fait quoi, votre papa? Bon, on ne sait pas. Comment vous ne savez pas? Il n'est pas avec vous à la maison? Non. C'est pour cette raison que maman nous a amenés ici. C'est pour aller chez notre papa. Mais au fait, il habite où votre papa et comment il s'appelle? On ne sait pas. Tout ce que nous savons, c'est notre papa, le monsieur qui nous a menés ici. Ah non, le monsieur là? Oui. Non, lui c'est votre tonton. Ce n'est pas ce que maman nous a dit. Ah bon? Et qu'est-ce que maman vous a dit? Bon, maman nous a dit que ce monsieur est notre papa. Et que maintenant nous allons habiter chez lui. Ah! Il viendra me trouver ici. Pas sous-estimer ce genre de voiture. Yeah! Est-ce que ça là, ça peut rouler encore? Bien même. Allo, Wes. Ben, je te présente Danny, Douglas, Samy. Bien, on se connaît déjà. Ah bon? Alors, comme ça, c'est toi qui es intéressé par la mémé? La mémé? Oui, mais c'est comme ça qu'on l'appelle, en dehors de son nom d'artiste, qui est la Tornade. La Tornade? Ouais. Oui, mais mon type, pour l'instant, elle n'a rien d'une tornade. Non, mon type, trompe-toi. Un petit coup de manivelle et pouf, elle part au quart de tour. Tu vois, c'est plus solide que les véhicules de maintenant. Hein. Celle-là? Oui. Sais-tu quel âge elle a? Non, mais je dirais à peu près une quinzaine d'années. Non, tu es loin du compte, mon type. Oui. Elle a 44 ans. J'ai bien. Incroyable. Oui. Écoutez, les gars. Oui. Vous savez qu'il est l'heure d'aller voir le blanc, là. Les Blancs, ils ne sont pas comme nous, les Noirs. Nous, les Noirs, on croit que c'est en arrivant en retard qu'on est plus important. Alors que chez les Blancs, ce n'est pas ça. Ah non, l'heure, c'est l'heure. Ouais. Ok, Moustique, tu as raison. Voilà. Mais les gars, une mémé de 44 ans, ça ne doit pas valoir bien cher, ça. Ben... Non. Ça c'est zéro. Ça ne doit pas valoir. Ouais. Ok, donc on va aller voir le Blanc. Alors. Ouais. Bon, allez. On s'appelle. Mm-hmm. Ben, merci beaucoup. Tiens, courage. Hein. Ouais, merci. Merci. Ok. Mm-hmm. mais ils sont courageux, ces gars. Tiens. Là, mémé. Oui. Pierre. Oui, salut, Gaston. Comment ça va? Oui, ça va. On dirait que tout se passe bien ici. Ah oui, tout se passe bien ici, oui. Mais... Mon cher garçon, ils ont vidé le frigo, hein? Mais que veux-tu? À leur âge, nous étions pareils. Sauf qu'à notre époque, là, la vie n'était pas aussi chère qu'aujourd'hui. Ça, c'est vrai.
Mais ne t'inquiète pas, Pierre. Je vais participer aux dépenses. Attends, garçon. Tu comptes les laisser ici encore longtemps? Tu sais, leur mère est malade. Oui. Elle est gravement malade, même couchée à l'hôpital. Garçon, ce ne serait pas la maternité par hasard? Quelle maternité? On l'a opéré d'une grosseur à la tête. Garçon, cesse de mentir. Moi, je sais que ce sont tes enfants. Je le sais. Hein, quoi? T'inquiète pas. Je ne dirai rien à ta femme, rien à la mienne. Mais seulement, trouve vite la solution. Sinon, si ta femme apprend ça là, le tout là va retomber sur ma tête. Oui, oui, oui. Mais pour l'instant... Il n'y a pas de pour l'instant. Je veux que tu sois clair avec moi, afin que je puisse trouver la solution au cas où ça va chauffer un jour. D'accord. Je vais y réfléchir. Je file. Je dois rencontrer un client tout à l'heure. Allez. Hé, hey, garçon, garçon. Le frigo. Je vais voir. Voilà. Je pense que ça devrait suffire pour un ou deux jours. Ah, garçon, donc tu veux laisser moi ici encore un ou deux jours? C'est quoi ça? Je ne veux plus, je ne veux te voir. Moi non plus. C'est toi qui as commencé. Ah. Elle a dit que je ne savais pas lancer une balle, alors je me suis fâchée et je lui ai dit qu'elle était idiote. Et là, elle m'a dit plein de gros mots. Donc, si je comprends bien, vous seriez intéressé par la bâchée. Mmh. Oh oui, ça dépend de combien vous en voulez. Combien j'en veux? Nous, nous n'avons pas beaucoup d'argent. Donc, si vous pouviez nous faire un très bon prix. Ouais, si vous pouvez nous faire un bon prix. Moins cher, quoi. Compte tenu de son âge, vous voyez. Ah, en tout cas, c'est vrai, hein? 44 ans, c'est vieux, c'est même au bout. Au bout, mais en attendant, si c'était en France, ça se serait classé comme voiture de collection, ça vaudrait pas loin de 2-3 millions. Hein? Ouais, 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 ouais. 44 ans, c'est voiture de collection. Bon, c'est vrai qu'ici... En tout cas, ici, vraiment, ça ne vaut rien. Hein? Ouais. Vraiment, ça vaut rien du tout. Même à la ferraille, là, c'est rouilleux. Hein? Ouais, ça, c'est vrai. Ah. Oui. Faites-moi une offre. Disons 20 000. 30 000. 50 000. Je vous la vends 1000 francs pour dire de ne pas vous la donner. Comment? Oui. C'est vrai, vous n'êtes pas en train de rire? Non, non, non. 1000 francs? Oui. Il s'amuse. Et... Non, c'est bon. Tenez. Ah. Vous êtes vraiment trop sympa. Non, c'est normal. J'aime les jeunes qui ont de l'ambition, chose rare ici. Bon, en sortant, je vous demanderai à la secrétaire. Hein, elle vous remettra carte grise et papier, je ne sais plus quoi, contrôle technique, mais je crois que c'est périmé, mais vous ferez. Ah, ok, bien. Merci beaucoup. Bonne journée. Allez. Merci infiniment. Oh, je vous ai déjà vu dans un film, non? Ah, bon, peut-être ça peut se faire. Il me semble. Ah, ok, merci mon général. Je suis caméraman au fait. Ah, voilà, voilà, j'ai dû vous voir à la télé, là. Ok, bonne journée. Hey, surtout, n'oubliez pas la manivelle, hein. Vous en aurez besoin. Ah, bon. Ah oui. Oh, d'accord. Okay. Manivelle. Ok. Oui. Ouais, tu connais, là? Mais comment est-ce que bon, t'as progressé de te voir, toi. Tu es sûr que tu vas pouvoir jouer? Sûre et certaine, il n'y a pas de problème, je peux très bien jouer. Parce que le jour du tournage, il ne faudra pas venir dire quoi, que je ne suis pas libre. Ça, on a déjà vu ça sur les plateaux. Non, il n'y a pas de problème, ça. Mon patron est très sympa. Si je lui demande qu'il ne va pas refuser. Et puis, en plus, c'est le film de son fils. Ok, d'accord. Donc, tu joues la mère d'Isabelle. D'accord. Tiens, il faudra bien apprendre le dialogue. Sans faute. C'est très important. Un acteur doit premièrement savoir son texte, oui. Deuxièmement se faire entendre, oui. Et troisièmement se faire comprendre. Ah, si c'est ça là, ne t'inquiète pas, tu peux compter sur moi. Quand je veux quelque chose, je sais me faire entendre et comprendre. Ok. Attendez, j'oubliais. À propos du cachet, ça se passe comment ici? Ah, vraiment pour le cachet, il faudra voir avec Danny. C'est lui qui donne les prix. Mais c'est mieux si tu lui en parlais.
Je peux lui en parler, mais je sais qu'il n'a pas beaucoup d'argent pour faire son film. Même moi, je suis bénévole. Quoi? Tu rigoles? Regarde, c'est moi qui ai tapé les devis. Plus de 30 millions de francs CFA, je t'ai dit. Oui, un devis et la réalité, ce n'est pas pareil. D'accord, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais avec 10 millions, il peut quand même nous donner un peu, non? 10 millions? Oui. C'est le fonds qu'il a, il a où travaille sa mère. Tu vois qu'il peut nous donner quelque chose, même si ce n'est pas beaucoup, hein, n'est-ce pas? Compte sur moi, je vais lui en parler. Bonjour. Ah, bonjour, mademoiselle. Bonjour. Je viens pour jouer, je veux un rôle. D'accord, on verra. Et repasse demain matin. Je honte. Moi, je veux un rôle. Sinon, wallahi, quoi, ces deux-là ne vont pas jouer. Ah bon? Et pour quelle raison, s'il te plaît? Parce que lui, là, c'est mon copain. Mais Apo, d'accord, j'ai quelque chose pour toi. C'est mieux d'être. Tiens. Mm-hmm. Oh, qu'est-ce qu'elle est venue chercher ici? Moi, je ne sais même pas. Apo, c'est vous qui voulez me voir? Oh, oui. Ça va quand même? Oui, bien. Okay. On voudrait faire repeindre une voiture. Non, il n'y a pas de problème, patron. Et elle est où? Non, elle n'est pas là. Et? On aimerait juste avoir une idée sur le prix. Et c'est votre voiture? Non, c'est la voiture de la société. Si tu parles de société, il va augmenter le prix. La voiture nous appartient à nous quatre. Uh-huh. C'est la raison pour laquelle il a parlé de société. Uh-huh. Okay? Mais c'est quoi comme voiture? C'est une bâchée. Une bâchée? Ouais. Ah, c'est pour faire le commerce? Quel commerce? Et puis, c'est une vieille bâchée de 44 ans. Quoi? 44 ans? Non. Est-ce qu'il reste encore de la tôle pour que la petite tienne dessus? Hein? La moitié. Très bien même. Hein? Elle a juste besoin d'un nouveau coup de peinture. Voilà. C'est tout. Donc, pas de bosse par-ci, par-là. Hein? Rien du tout. C'est juste la peinture. Ah, d'accord. Mon ami, la voiture là est peinte en bleu. Uh-huh. Nous, on voudrait que tu la peins en jaune moutarde. Jaune moutarde. Hein? Voilà. D'accord. Il n'y a pas de problème, patron. Okay. Y a pas de problème. On aimerait juste avoir une idée sur le prix. Voilà. Hein, le prix. Voilà. Tu as bien des jaunes moutardes. Hein? Oui. Tu vois. Voilà. Voyons voir. Mes amis. Mm-hmm. Patron. Oui. Je ne vais pas faire ça cher, quoi. Ah, d'accord. Bon, comme ça entre nous, mm-hmm. Bon, vous allez me payer 180 000 francs seulement. Quoi? Yeah. 180 000 francs? Non, écoute, là, c'est trop cher, il faut revoir. C'est trop cher, ça. Tiens. C'est trop? C'est trop cher. Ah. Non, vous aussi. Tiens. Il faut acheter 4 kilos de peinture, 4 litres de diluant, le papier à poncer et le satin-ton qui coûte cher, là. Hein? Et puis, il ne faut pas oublier la main d'œuvre. Hein? Mais mon type, c'est trop cher quand même. Il faut diminuer un peu. Voilà. Laisse-nous ça à 80 000 francs. Ouais. Quoi? 80 000 francs? Jaune moutarde? Non. Jaune tout court. Même si c'est jaune. Non. Fais un effort. Vous voulez me mettre en faillite, non? Hein? Avec la vie chère, là? Ouais, on comprend. Hey. Un prix d'ami. D'accord. 100 000 francs, ça peut aller? Oui, c'est bon. D'accord. Ah, d'accord pour 100 000 francs. Patron! Okay. Hey, patron! Oui. Mais faut pas oublier, hein? Quoi encore? Le soir, là, en amenant là, il faut pas oublier d'amener une avance, quoi, pour acheter la peinture et tout le reste, quoi. D'accord. Combien comme ça? Bon. 80 000 francs, c'est bon, non? Yeah. 80 000 francs comme avance. Lui, il a son affaire d'argent. Non, ça va, on va t'amener les 100 000 francs en même temps. Ah, d'accord. C'est mieux. Patron! Le grand patron! Attends, il y a ce soir! Voilà des clients! Tu as bien compris? Toi, tu es la meilleure amie d'Isabelle. Je vais dire Valérie. Celle qui répète là-bas avec la femme. Ma meilleure amie. Oui. Ça m'étonnerait. Ah bon? C'est ce que je croyais. Pardon. Il faut laisser vos querelles à la porte quand on joue la comédie. Il faut savoir faire semblant. Tu sais faire semblant là. Et c'est fait. Bon. Et concentrons-nous sur notre travail. D'accord? Avec celle-là en face de moi, je ne peux même pas. Parce que j'ai trop envie de la frapper. Valérie, laisse tomber. Mais, laisse, ma fille, calme-toi. Ouais. Ça promet. Alors, Abdoulaye,
Tout bien, il n'y a pas de problème. Dani, on peut se voir? Alors, la gauche, ça va, ça va? Et Dani, oui. J'oubliais. Qu'est-ce que Abdoulaye te voulait au bambou la dernière fois? Parce que je le voyais parler fort et gesticuler beaucoup là. Oh, ce n'est pas cette idiote de Jeanne qui allait lui dire qu'on avait 10 millions pour le film. Quoi? Et qu'est-ce que tu lui as dit? Ben, je lui ai dit qu'en définitive, le projet n'avait pas été retenu, ceci, cela. Enfin, je lui ai raconté des bobards quoi. Oui, mais j'espère qu'il t'a cru. Bien même. Ok. Qu'est-ce que tu crois? Tranquille. Les gars, oui. À l'intérieur, il y a un chèque qui nous attend. Mm-hmm. On va pas aller? Mm-hmm. Ah oui, c'est mieux. On y va. Allons-y. Ah, l'argent. Oui, entrez. Bonjour, monsieur Bamogo. Vous avez amené des chèques, j'espère. Je croyais que c'était nous qui venions encaisser un chèque. Certes. Je dois vous remettre un chèque. Mais vous avez oublié, vous devez m'en remettre la moitié. Non, non, mais monsieur Bamogo. Oui. C'est pas compliqué. Vous nous remettez le chèque, nous l'encaissons, et on vous retourne la moitié, c'est simple. Mais moi, j'ai encore plus simple. Ah bon? Oui. Je vous donne le chèque et vous me faites un chèque. 4 millions, la moitié, 2 millions. Oui. Comment 4 millions? Mais j'ai le contrat sous mes yeux. Vous n'avez pas lu? Hein? 4 millions à la signature du contrat et le solde à la remise des copies du film. Une version sur support DV Cam et 3 copies VHS ou 3 DVD au choix. Hein? C'est bien écrit là. C'est pas comme ça. D'accord. Vous ne mettez pas d'ordre. Hein. Je le ferai moi-même. Et mettez seulement 2 millions tout rond. Dites-moi. Il y a quelque chose? Je voulais dire, vous en avez pour longtemps? Non, non, non. J'ai presque fini. Je voulais dire pour tourner le film, quoi. Il nous faut 2 semaines. 2 semaines? Tiens! Une semaine, ce n'est pas possible. Non, non, non. Il faut 2 semaines. Voici votre chèque. Voilà, 2 millions tout rond. C'est ça. Voilà. Ça marche. Et bonne journée, c'est tout.